Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi je suis en compagnie de Marsupami. Salut mon ami Fabrice, comment tu vas? Mon ami 7, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Et celui qui a la bougeotte et que vous reconnaîtrez tous et que je remercie vraiment du fond du cœur d'être là pour nous conduire la machine, évidemment c'est l'ami Nico. Salut mon poteau, comment tu vas? Ça va et toi, Ced? Eh bien ça va super bien, merci. Bonsoir. On vous laisse avec les jolis plans de vue de l'Ancylos que notre ami Nico a conduit et puis on se retrouve juste après pour l'épisode. A tout de suite les amis. Me feeling like a firebolt high in the sky, looking like a thunderstorm. Oh, here we go, 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 go. You're easy to remember, so hard to forget. Baby, baby, it's a coward when you strut. Oh, how could I not worship? Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, je suis très très heureux de vous retrouver, bien sûr, avec l'ami Fabrice et l'ami Nico. Oh, je vais essayer de les suivre, oui. Parce que sinon ils vont me perdre. Alors, non, mais toi, c'est bon, t'es perdu, t'es derrière là. Ne vous inquiétez pas, je connais, je sais où est le champ à peu près. J'ai pas fermé mon carreau, histoire qu'on ne sait jamais. Si je dois sauter en route, tu comprends, eh ben, j'aurai l'opportunité de sauter. Je laisse la monture vaguer à ses occupations. Est-ce que vous allez bien, les amis? Oui, mais ça va, hein, comme un mercredi soir. Bon, on est mercredi, c'est vrai que l'épisode sortira fin décembre. On le tourne sacrément en avance, mais nous avons un ami Nico qui a un planning surchargé. Voilà. Donc, pour, non, pour, tu crois? Pour le choper, mon pauvre, et bientôt faut te lever tard, te coucher tôt, et. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, on est très très fiers avec Fabrice que tu sois là. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bah, merci beaucoup pour l'invite. Avec plaisir. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Et comme tu dis, c'est la première fois que je t'ai dans une de mes séries. Et ça, ça me touche énormément. Hormis l'interview, bien évidemment, parce que j'ai interviewé Nico. C'est vrai. Ouais, dans la radio de CFM. Si vous voulez voir, je vous le mets en petite bulle là-haut, par là-haut, par là-haut. Par ah, là-haut. C'était pas mal. Ah, oh, c'était pas mal. Ah, oh, c'était terrible. Oh, c'était, ah c'était oui, c'était avant l'armée, je m'en souviens. C'était... ça, c'était il y a jadis, tu sais, dans le temps jadis. Oh, oh là là, il déplie, oh, oui, s'abuse. Je vais suivre, je crois, non, parce que sinon... Alors, on n'oublie pas, bien évidemment, on n'oublie pas, très très important, les pouces bleus. Pour la... pour le... J'ai pas accès au terrain, par contre, mon pauvre. Ah, il faut que je te mette, je passe, il faut que je te mette... renvoyer, non, normalement tu dois pouvoir. J'essaye. Tu dois pouvoir. Ah, c'est mieux. Ah, tu vois. Non, ah, mais... c'est mieux, voilà. Non, mais ça, tu vois. Ah là, attendez, je fais. Ah. C'est la première fois de ma vie. Enfin, c'est vraiment très rare que j'encile sur ce jeu. Voilà. J'ai pas dû le faire beaucoup de fois. Donc, je crois qu'on a qu'une chance, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc ouais. On est tranquille, il n'y a plus qu'un petit champ. Ça devrait aller, voilà, donc vous pouvez voir un petit peu les ensembles qu'on vous a concoctés ce soir. N'hésitez pas bien sûr à mettre des gros pouces bleus pour faire vivre, bien évidemment, l'Akuma. Pour l'instant, moi je suis à 11 751, mais nous n'avons pas passé de jour pour le moment. Et oui, effectivement. J'aime beaucoup la benne, Massé. Très jolie benne. Ouais, merci. Très jolie benne des années 80, vraiment j'aime beaucoup. Si ça te fait chier que j'explique aux abonnés ce que je suis en train de la série, tu me le dis de suite, hein. Mais il me coupe la parole. Oh, mais je suis désolé. De sort. Ah bah allez, Alt+F4, c'est bon. Alors on commence. Rien ne sera coupé au montage, les amis, je vous l'assure, je vous l'affirme, parce que quand on a deux artistes comme ça, on en profite. Ah, c'est excellent. Hein. C'est kiffant. Tu me c'est suis, Marsupami? Non, moi je te suis pas. Mais je m'appelle pas Marsupami en même temps. Ah non. Ah non, ça non. C'est un pur bonheur de les avoir tous les deux à mes côtés, je vous assure, c'est un pur bonheur. Et vous savez que, je vais vous dire, je suis honnête avec vous, vous savez que je vous dis tous les amis, rien que d'entendre les deux voix dans mon casque, je n'en reviens pas. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. On n'y croirait pas. Bah, on y croirait presque. Ils sont en train de se déboîter, de s'emboîter, de s'organiser. Ah oui, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. C'est vraiment mon mot du moment, ça. Je capte pas, je suis trop loin. Oh, bah oui, mais là, le problème, t'es à combien de pourcents, là? 61. Ah ouais? Ah merde. Ah, il ne fera pas le tour. 8% de plus, on serait bien. J'ai bien fait de suivre. Non, c'est toi, à mon avis, c'est... On va dire, le 7, je te laisse prendre la suite, et moi, je vais déjà vider ça. Allez, si tu veux. Bah... Ouais. Vas-y, mon ami Nico, je vais te suivre au cul. Oh la va bah pas bon, trop vite, oh par contre. Parce par contre, que... j'ai un peu peur, du coup. Non, je vais me mettre, je sais pas, à droite ou à gauche. Bah oui. Alors déjà, je charge pas, déjà. Je sais pas. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est pas mal, hein.
Non, c'est je comprends pas trop. Attends, attends, bouge, quoi pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, non, là, y a... voilà, là, y a... crash dans la benne. Crash pas par terre, c'est du gâchis. Oh putain, et c'est chiant parce qu'il faut vraiment que tu sois proche de moi, oui, au final. Tu sais que j'aime être proche de toi, en plus. Oh, que j'aime. Par contre, coller. Voilà, les gestes barrières, c'est quand même merde. Ouais, ouais, nous avons le masque, les amis, nous avons le masque. Sur le museau du directeur. Tu peux reculer. Merci, oh, pour l'information. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je n'arriverai pas à vous dire tout ce que je dois vous dire, les amis. On est bien d'accord, les amis. On n'est pas dans les bonnes conditions. On n'est pas dans le. Bon, sinon, on va parler des cours d'histoire d'hier. Bon, bien évidemment, ça s'est bien passé. Nous avons eu un 18 sur 20. Hein. Là, j'aime bien parce que j'en cille vraiment dans le vide. C'est. Non, le top. Mais pas de problème, pas de problème. Je vais passer à côté. Tu vas te manger l'arbre. Tu nous offras les. Mais oui, mais regarde. Paf. Un boulot en plus. Ah, oh, et vache. Voilà, voilà. Ce n'est pas un cèdre, donc ça ne risque rien. Non, d'ailleurs. D'ailleurs. Cette transition. Oh, que c'était bien. Eh, c'est bien mené tout ça. Allez, un autre. C'est arbre. Très très allez. Bien mené. Allez. Non, mais ouais. L'exploitation du grand cèdre prochainement sur vos écrans voilà, arrivera voilà, dans un futur proche. Vous avez bien compris que ça va être un grand délire aussi. Hein, voilà. Oh ouais, mais ça arrivera dans un futur proche. Voilà, nous essuyons les plâtres là. Bah, on attend qu'il se passe plein de choses là. Donc, un problème 2023 qui se termine. Oui. Je pense que ça arrivera plus fin 2023. Mais bref, une nouvelle série. Fin 2024. Sur la chaîne de 7. Oui, bah, ça va être plus ça maintenant, ouais, je pense. On est lent, les amis, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour vous concocter quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez bien, les amis. Non, ah, mais bien hein, sûr, voilà, mais bien sûr. De la qualité, de la qualité. On fait pas les choses à moitié ici. Oh non, 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 t'es pas fou, quoi. Ah, t'es pim. Oh, il a traversé l'arbre, lui. Oh, mon Dieu. Eh bah, écoute, regarde, c'est allez. Le talent. C'est le talent, c'est ça. On est déjà au bout. C'est ça, c'est ça. On est déjà au bout, voilà, oui, oui, oui. Donc je vais pouvoir me mettre à côté de toi. Alors tu veux qu'on tourne dans l'autre sens, bien évidemment, parce que... Bah forcément, non, très bien, non, continue comme ça. Comme... Oh, si tu veux, alors si tu veux, tu vas te faire... Ah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais bien sûr, tu peux te faire un tolticolite dans l'autre côté, ça me dérange pas, moi. Marsu, je suis à bientôt plein. Ouais, je suis en train de revenir déjà. Ça. Ah, parce ah, que... Ah bah il était temps. La ferme de l'ami est loin, alors du coup... Heureusement que la map est effectivement pas très grande quand même. Oui. On a vite fait le tour. Oui, oui. C'est oui, vrai oui. Que les champs sont extrêmement petits. Alors, oui. Quand je te dis stop, mon ami Nico, tu piles, tu freines, tu appuies sur la touche. Ah, je mets un gros coup de frein. Je sais pas, mais. Stop. Un grand coup d'hydrostatique. Waouh, wow, terminé. Bam. Je peux sortir par là. Ah, mais j'attends même pas. Ça, c'est bien ça. Ah oui. Voilà, je suis allé. Si le pilote est assez rapide, on devrait y arriver. Et attends, parce voilà. Que je suis en train de me perdre dans les bois. Alors, que c'est pas gagné l'histoire. Hein. Comment tu fais? Je vais, mais j'y vais. Y a-t-il une sortie? Il va droit au but. Le petit chaperon rouge. Ah, mais si, en fait. Je crois qu'il n'est pas revenu. Qui est pas revenu? Ah, toi. Oh, bah. Oh, mais attends, quelque part, tu te sortiras. Hein. Déjà, je sais pas où je suis. Déjà, pourquoi ici, tu vois. Et je sais pas où je suis. En bas de la map, mais tu vas y arriver là. Tu t'approches d'une route macadam et tout va bien. Voilà. Et là, du coup, vous en sillez pour Marcel Fabrice. Pour un biogaz. Non, non, pour Fabrice, ouais. D'accord, impeccable. J'ai de pouvoir faire une vraie RTM avec foin, en silage d'herbe et en silage de maïs. On n'hésite pas à bombarder là, de pouces bleus, bien évidemment. On n'hésite pas à mettre des pouces bleus, les amis. Pour, pour la Cuba, ouais. Vous savez. Tu sais qu'à une époque de YouTube, c'était pas des pouces bleus, c'était des pouces verts. Des pouces verts. Ouais. À l'époque, on disait pouces verts. Pouces verts. Parce que c'était des pouces verts sur YouTube. Ah. Si, si, si. Et en 2013, ou 2012-2013, ils ont changé et ils ont mis des pouces bleus. D'accord. Mais tout début de YouTube, c'était des pouces verts. Ok. Je sais voilà. Pas où je vais, mais j'y vais. Eh ben, c'est super, Ced. Vie tes rêves. Oui. C'est le plus important. Je suis quand même, parce que je suis à 80%. Je suis en liberté totale. Je suis peut-être un peu trop libre, les gars. Ah, mais moi, j'attends pas. Moi, j'en cille, je fais un tas par terre, il ramassera avec une pelle. Hein. C'est pas mon souci. Mais je sais pas où je suis. Marsu, aide-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Si, je suis derrière là. Je suis derrière ta maison, mais en fait, je suis derrière, en fait. Je sais pas où je suis. Allez, tu vas aller à droite. Oui, oui, mais j'y vais à droite. Oui. Et bah là, on est bien. Ah, on est bien, Tintin, hein. T'as vu un peu C'est ça de pas avoir. Non, mais sans filer, les gars, vous le savez. Ça mérite un max de pouces verts, comme dirait l'ami Nico. Un max de pouces verts. Oui, il faut savoir que Nico. Pouces verts, qu'on appelle également. Non, non, dans son temps, pardon. Un grain de blé en germination. Ah oui, un grain de blé en germination, tout à fait. C'est une pousse verte. Oui.
comme le classe. Bon, éteins l'ensileuse hein, parce qu'on sait pas nous qui paye, on fioule. T'as le retard parce que c'est pas moi qui paye. Alors par contre, je demande parce que moi c'est moi le patron de TA, c'est moi qui paye à l'heure. Enfin, je me fais payer à l'heure. Donc, c'est ça en plus, c'est vrai. c'est pas à l'hectare, hein, c'est à l'heure. À l'heure, au plus rentable. Plus rentable. Et normalement. Normalement, c'est map, tu vas gagner bien ta vie ce soir. Normalement, tu devrais bien gagner ta vie, ouais. Oh, c'est bien, surtout si j'accélère le temps. Oh là là, oh là, ça, je gagne vraiment bien. Ouais, mais non, parce qu'il est 18h dans le jeu, on n'aimerait pas passer au mois d'octobre, en fait. Tu vois. Ah, mais quoi, il y a combien de jours par mois dans votre map, là? Pour l'instant, 1, et à fin septembre, on va passer à 2. Ah oui, voilà. Donc c'est vraiment très rapide, quoi. Prêt. Ouais. En fait, ce qui m'a perdu, les amis, c'est que je suis pas passé du bon côté. Donc, t'as changé depuis le gag du soleil, Céd. Hein. Ouais, t'as vu? Ouais. En mal, hein. Tu le sais, en mal. C'est hein. Terrible. Terrible. C'est honteux, hein. Tiens. Bon, je vais couper des. C'est honteux. Voilà. Je vais couper les arbres en attendant. Vas-y. Mais ceci dit, bah, non. Ceci dit, mon ami, nous changeons avec le temps et les années, tu comprends? Exactement. C'est, voilà, ce beau. Les expériences nous forgent. Oui. Oui. Où es-tu? Ah, je te vois. Enfin, je te vois. Eh ben oui. Ah, le voilà. Putain, je rallume l'ensileuse. Ouais. Je pars. B, actionner coupe. Hop, V, c'est la coupe. Allez, c'est parti, attends, let's go. Attends, on avance. Oh, giflet, pas le temps, pas le temps. Okay, oh putain. Oh putain. Dieu, quoi. Ouh. Il pleut plus. Je peux pas dire d'insulte parce que c'est la chaîne de Céd. Ouais, en plus, ouais. Ça c'est pas coupé au monde. Après, il va être démonétisé. Putain, quoi. C'est pas grave. Bon bah allez, on torche le champ les gars. Ouais, je pense que là on sera pas loin avec deux bennes. N'empêche, j'aime bien la. Comme la benne elle se charge en fait. Je trouve que ça fait super joli. Je suis d'accord. Ouais. Nous n'avions pas ça à l'époque, mon Nico, tu te rappelles quand nous avions. Ah, avant l'armée, je m'en souviens. Ouais. Avec Farming 2009, oh là là. Ouais, c'était horrible. Hein. On voit quand même le changement quand même. Bon, voilà. Oui. Et si on le voit pas, on l'entend. Ah! Ah là 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 là. Par contre, la Jaguar, elle avoine à mort. Ah ouais, c'est vraiment un déconner, très beau mode. Hein. Ah ouais. J'aime bien. Ouais. Très réussi, belle gosse quoi. Belle gosse à mort. Je veux pas dire, au départ, il ne voulait pas la conduire par contre. Hein. Non ? Enfin, non, vas-y. Il est déçu. Ah, parce que. Ouais, non, mais voilà, après, c'est comme ça. Hein. Je vais pas faire de promo full class. Non. C'est pas grave. Je trouve que les classes, elles sont relativement sympathiques quand même, pardon. Elles sont classes. Ouais, elles sont classes. Bon, ouais. Je sors. Attends, parce que mon classe à moi, par contre, il est mou, hein. Il est long à la défense. Non, en vrai, c'est une marque que, en fait, j'ai aucun recul sur cette marque, parce que j'ai jamais travaillé dans la vraie vie avec ce matériel. C'est-à-dire que j'ai travaillé en ferme, je travaillais avec des jeunes, je travaillais avec des cases, je travaillais avec des massés, tout ça, mais j'ai jamais conduit un classe, que ce soit batteuse ou... en sileuse ou tracteur quoi. Ouais. Alors batteuse j'ai déjà. Si j'ai fait du piano sur une oui. Batteuse. Oui. Ça oui. C'est, stop. C'est ça. Et ce n'était pas une classe. Si c'était une classe. Ah c'est une classe aussi. Je me rappelle plus. Quelle mouche t'as piqué pour faire du piano sur une classe? Ah bah écoute non c'est sympa c'est un TikTok que j'ai fait avec Marc. Et c'est très bien en plus c'est très. J'adore quand tu joues du piano, en plus tu es autodidacte et ça c'est encore mieux. Voilà. C'est ça. Je tenais à le dire, voilà. Je tenais à le préciser. Je joue pas grand chose, mais j'aime bien jouer ce que j'arrive à jouer. Maintenant, il faut que j'évolue, mais j'ai pas le temps. Et quand on apprend tout seul, d'autant plus, on est encore plus fier parce qu'on apprend seul et qu'on n'a pas de prof qui savent déjà faire. C'est contraignant, mais à la fois, un prof ça t'aide à aller plus loin quand même. Parce que moi, j'apprends tout seul et je fais pas forcément les bonnes choses. Oui, et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, je suis freiné pour évoluer. Wow, la ferme de c'est comme ça, hein. Tell me more, comme diraient les jeunes. Tell me more. C'est bien, c'est pas si t'as plus de maths, c'est mieux. Ça va, hein. Alors, on voit que le travail fait pas un entrepreneur parce qu'il y a vraiment des morceaux qui restent partout. Quoi. C'est normal. Alors, l'entrepreneur travaille comme un sagouin, par contre, il est très cher. C'est ça. Il travaille vite. Ouais. L'entrepreneur travaille mal, mais bien. Bah, mais vite. Mais vite, mais mal. On est fiers de l'entrepreneur, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et ça, franchement, c'est un pur bonheur. Voilà, tu peux continuer, s'il te plaît, mon ego. Petit mouvement privilégié, quand même. Mon ego, ça fait du bien, mon ego. Oui, il faut lui redonner confiance en lui, il l'a perdu. Voilà. Ah, par contre, full premier degré, je suis quelqu'un qui a zéro
putain de confiance en soi dans la vraie vie. Je ne devrais pas, parce que tu es exceptionnel. Je sais. J'ai déjà fait des trucs. Je sais, c'est... Ouais, non, tu vois, enfin... Je mettrais juste une virgule. C'est pas simple. Je mettrais juste une virgule, quand même. Moi, la première fois que j'ai rencontré Nico, il m'a quand même surpris. J'ai dit, ah, tu fumes, tu peux me... Non, je rigole. Ouais, putain. Non, moi, je fume pas, juste celle des autres, en fait. Ah ouais, bon, bien. C'est ça. Oh. Et n'oubliez pas, les amis, hein, fumez, tu pétez, pu. D'accord. Oh non, voilà. putain, il va le faire. Il l'a dit, il l'a dit. Et stop, je suis plein. Je les passe toujours, mon Nico, tu le sais, tu le sais. Putain, le mec est sans filtre. Toujours. Gitane, maïs. Oh, t'as certainement dû en fumer, non? Non, mon oncle en fumait, mais moi, non, jamais. Bon, attendant, depuis que tu m'as payé une Marlboro, je crois que j'ai jamais refumé depuis. Alors, gitane, Marlboro, gauloise, bien évidemment, hein, cassis, dodane, tout ce qui s'en suit, les gars. Eh bien, on devrait finir le champ tranquillement, et ça fera un super... Eh bien, le champ, il est torché. Je connaissais un agriculteur à côté de chez moi, il parlait comme ça. Oh, le torché les 12 hectares, ah, oh, ça c'est torché. Il finissait un champ, il disait, ah, oh, ça c'est torché. Ah, oh, c'est torché. On n'a pas branlé, hein, on n'a pas branlé. Je vais dire, c'est torché. La parcelle a plein la gueule, la mal à la gueule. Ah, les mecs, c'est qui parlent vraiment comme nos, ça, c'est nos ouf. Amis, les agriculteurs, ils ont vraiment des mimiques et des expressions bien à eux, mais on les kiffe. Voilà, on leur fait un gros bisou. Ah, bien sûr, et, ah bah oui. Et on leur souhaite tout notre soutien, bien sûr, et tout le courage qu'ils peuvent. En Renault Express, oh là là, oh. Je me souviens, un agriculteur à côté de chez moi, là. Oh. Oh merde, je fais de la merde. Tu peux le dire. Oui, tu peux le dire. Heureusement, c'est pas mon champ. Hein. Oh là là. Oh là là, c'est mal fait le travail. Attends, je vais faire demi-tour. Je vais finir ce qu'il y a là-bas. Ah, si tu veux. Je contrarie pas l'entrepreneur, moi, tu sais. L'entrepreneur aime bien quand le travail est bien fait, quand même. Ouais. Vous aurez droit à un petit. Hop, hein, les amis, voilà, bien évidemment, vous savez que. Ça maintenant. J'ai des spasmes des fois. Ça m'arrive. Bon, demi-tour. Demi-tour, droite. Sergent, oui. Moi, je suis parti sur la gauche, hein, mais bonsoir. Peut-être... Ah, la coordination. Oui, mais c'est parce que je suis gaucher, mon Marcel, tu le sais. Ah non, je savais pas. Tu savais pas? D'accord. Non. Bon, mais voilà. Voilà. On va essayer de finir tout. Je vais faire les raccoins aussi, là où il en reste. Les raccoins? Attends, autant faire les choses proprement, quoi. Oui, tu peux, surtout que j'ai de la place dans la bénasse. Dans la bénasse. Si je comprends bien, c'est pas la fin. Comment? Pas besoin de revenir. Non. Okay, cool. Attends, je suis en train de réfléchir à ce qu'il va nous inventer, mon ami Nico, là. De quoi? Donc là, après, maintenant, on va aller voir un coup, voilà, parce qu'on a bien travaillé. Donc, voilà, on va y aller, donc. Voilà. On est à la maison. Chaque champ terminé, c'est une bouteille de Ricard descendue. Oh là là. Non, là pas là quand là. Même, une petite binouze. Pas. Non. Pas Ricard, sans alcool. Quand même. Ouais, voilà. Oh. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux replier la batteuse. Oui, c'est vachement une batteuse, mon pauvre. Et Swimmy, oui, la sileuse. Il allait dire oui, la moissonneuse. Oui. Allez, insister, tu sais, c'est comme le. C'est comme beaucoup de choses, tu sais. Qui est dedans? C'est terrible, mais c'est vrai. Oh la vache! L'avoine qu'on a moissonnée, c'est ça, non? Oui, c'est l'avoine qu'on a moissonnée qui était du blé. Mais c'est l'avoine qu'on a moissonnée quand même. Parce que... Il y a un autre champ à faire? Non, c'est... on t'a invité pour ce champ-là, tu vois, c'est exceptionnel, voilà. Tu vois. Bon, je rentre à l'ETA alors. Non, tu rentres, tu me suis. D'accord, bon bah je vous suis. Ouais, on va aller boire un coup. Bah, je vous vois maintenant, par sur du vous. Oui, vous voyez moi, s'il vous plaît, monseigneur. Surtout que j'ai replanté l'ensileuse. Je viens de planter l'ensileuse, c'est gras, hein, les chansons, il pleut beaucoup. Ouais. On est au mois de septembre, ouais, en même temps. L'automne arrive à grands pas, donc la pluie aussi. Hein. En tout cas, c'est un épisode que je n'oublierai pas, hein, je peux vous le dire. Et je pense que quand je vais faire le montage, je vais m'éclater tout seul, je vais rigoler tout seul. Alors, on va tourner à gauche, mon Nico, à gauche, je te mets le clignot. Oui, voilà. C'est vrai que ça se retrouve dans les. D'accord, je vais à droite. Si tu veux, il n'y a rien à droite. Allez, demi-tour gauche. Hop. On arrive avec à la ferme. C'est difficile d'en caser. Ah oui, c'est compliqué. Ah non, mais oui, là, c'est. Oula, c'est. Oula, c'est. C'est mission impossible, ça, c'est pour Tom Cruise. Et de quoi? J'ai pas entendu. Il est à la retraite, Tom Cruise, maintenant. Alors... Non, Marsu dit que quand on est tous les deux. C'est compliqué d'en placer une. Pourquoi? Pour parler.
Ah, parce que je parle beaucoup? Nous parlons beaucoup. Bah alors déjà 7 de base. Ah, j'ai eu peur parce qu'il y a un petit énervement qui commence à se créer. Ouais, là ça allait. Ah, je voudrais pas. Non, je plaisante. Point. Mais je peux... Hop ah ouais. Oh, c'est plutôt joli, sympa ici, là. C'est chez qui là? Chez Marsu. Il faut pas se faire le tour. Ah, on va faire le tour des propriétaires, les amis. Attention, ça rigole plus. Je suis en train de faire le tour. Oh, il y a un petit massé. Oh, bah ça, c'est bien. Ça, t'as des bons goûts, mon gars. Non, non, mais. 36,45. Mais quel suce-boule. Pardon. T'es jaloux, c'est tout. Toi. Non. Moi, je ne suis pas jaloux, monsieur. Je ne suis pas jaloux. Regardez-moi les couleries. Petite ferme massée. Voilà, au calme. Petite cerise sur le gâteau. Voilà. Il y a des rondelles de bottes. T'as vu, on a rangé les bottes. Regarde, mon Nico, regarde comment on les a rangées. C'est moi qui les ai rangées. Ah ouais. Et là, il y a du style, tu vois. Là, c'est gang, ah oui, là, ici. Gangman style. Putain, c'est stylé. Ah ouais. Non, là, c'est la vieille grange, tu vois. C'est. Voilà. En tout cas, les amis. Il y a ta chaussette. Ils sont où? Ils sont où? Bon. Là, bah, toujours. Bon. Ils sont. Ils sont là. On va dire au revoir, les amis. Parce que. Ouais. Les conneries. Eh ben oui. Les belles conneries ont une fin. Toutes les belles histoires ont une fin, bien évidemment. Merci mon poteau Nico d'être venu. Bah écoute, pas de soucis, merci pour l'invitation, ah, ça fait plaisir. Merci mon ami Fabrice. Oui. Merci à toi, c'était franchement que du bonheur là. Ah ouais, que du bonheur, ça fait vraiment plaisir. Merci mon Nico, merci à vous deux. On vous souhaite, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre des gros pouces bleus si ça vous a plu pour alimenter le climat et pour tout le reste. Voilà, pouces bleus, pouces verts. Si vous voulez les mettre rouges, vous pouvez aussi, ça marche aussi. Les blancs, les bleus, les rouges, les noirs, on s'en fout la pouce couleur. Mets le pouce en haut, en l'air. Et voilà. Et alors, si tu mets le. En général, si tu mets le pouce, Nico, il le sent. D'accord. Et ça fait comme ça. Après. Hop. Voilà. On vous fait des bisous. Portez-vous bien. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye, les amis. Salut. Bye bye. Salut tout le monde.